Oh la famille, vous-même, regardez le miracle. Regardez le miracle. Depuis la nuit des temps, on nous a tout fait comprendre que les plantes poussent à partir de la terre. Mais là, on voit aussi un autre miracle, que les plantes poussent sous un autre arbre. Ok? Ça, c'est le palmier. Et ça, c'est la plante de Saint-Jean. Donc, le rhum que vous voyez là, qu'on est la puissance de cette plante. Vous allez voir dans les grandes maisons ésotériques, dans les grandes maisons des grands hommes spirituels, ils ont cette plante ici qu'ils ont arrachée comme ça, ils ont mis dans un pot, ils ont mis, je sais pas, quelque chose comme ça, comme une élévation pour déposer dessus. De la même façon que cette plante ici pousse en hauteur, vous voyez que là c'est en hauteur, voilà ces frais qui poussent partout au sol. Ok? Voilà les frais qui poussent partout au sol. Mais voilà ce qui pousse en hauteur. Et là, quand vous regardez, il n'y a même pas de terre là-dessus. Quelle puissance, quel émerveillement, quelle grandeur dans la compréhension des faits ésotériques, traditionnels, botaniques. C'est-à-dire, les mots manquent même pour décrire vraiment la grâce et la puissance de ça. Mes frères et sœurs, ne passons pas trop dans une tonine. L'histoire, là, trop de parler là, sans toutefois être concret, ça me dérange. Donc, allons directement, regardez la chose. Vous avez des problèmes de manque d'argent. Vous voulez voyager. Vous avez le problème de manque de conception. Vous avez le problème de ne pas se marier. Vous avez les problèmes, par exemple, de visa de naturalisation. Problème même que le commerce ne fonctionne pas. Voilà la solution. Filme bien la boule pour que les gens voient. Voilà ça, regardez. Regardez la magie. Tu as comme ça là, dans ton jardin. Mais tu as l'or. Vous pensez que l'or c'est quoi? Vous avez ça, vous avez l'or. Mes frères et sœurs, venez près de la plante. N'importe quand, ou un matin ou un soir, surtout le matin. Vous parlez vos vœux, vous parlez vos trucs, vous arrachez comme ça la fougère, la plante de Saint-Jean. Vous partez à la maison, vous triturez ça, mettez juste le sel ou le sucre et un bon parfum, Kamgan, ou un parfum de choix, lavez-vous avec 7 jours. Je vous jure, ma mère elle est vivante. Je vous donne 3 jours, s'il n'y a pas de changement, enlevez mon nom. Vous avez les plantes ici, comme ça vous voyez que le foyer ne donne pas. Prenez la plante de Saint-Jean, brûlez dans la maison, qu'elle soit fraîche ou sèche. Mes frères et sœurs, ça apporte la paix. L'une des choses qui énerve les sorciers, c'est que vous brûlez cette plante dans la maison. Vous avez un commerce que les clients ne viennent pas. Arrachez exactement la plante de Saint-Jean. Ce qui pousse en l'air sur le palmier comme ça, pas ce qui pousse sur la terre. Parce qu'il y a trop d'escrocs là qui vont vous tromper. Donc achetez cette plante-là chez les gens que vous savez qu'ils sont honnêtes, qui vous donnent, c'est vrai, c'est réellement ça. Vous mettez dans un pot de fleurs, dans votre boutique, vous faites quelque chose pour suspendre, ça reste en l'air devant votre boutique, de telle sorte que ça pousse. Comme ça pousse là, les clients viennent à gogo. Les clients viennent à gogo, vous allez foutre avec les clients. Toi qui es là le matin, tu me dis que ça ne vend pas. Prends la plante de Saint-Jean comme ça, 3 feuilles. Mange avec du sucre, viens me dire la parole. Viens me dire ce qui va se passer. Viens me dire ce que tu vois. Tu as les maladies qui sont mystiques depuis 5 ans, depuis 10 ans. Tu ne connais pas comment ça fonctionne. Tu ne sais pas comment ta vie là va. Prends la plante là. Mets dans la marmite. Bouge ça. Tu mets un peu du sel. Un peu du sel. Tu bois un verre matin, un verre soir. Ma soeur, tu veux concevoir. Là, c'est difficile. Les trompes sont bouchées. Monsieur est fatigué. Il a un problème d'érectibilité. Pourquoi nous souffrons? Prenez la plante là. Vous mettez dans la marmite. Mettez du gingembre. Mettez du lait. Mettez du citron. Bouillissez ça. Donnez à vos maris, donnez à vos hommes, donnez à vos, je sais pas, votre petit ami, il va boire, il va tenir comme Gando Biquet. Il va tenir, il va danser comme ça, vous allez voir vous-même le balancier. Il va te secouer dans la maison, là tu vas fuir. Toi madame, qui veut concevoir, tu as au moins une semaine d'ovulation. Prends la plante là, tu piles avec du sel, tu te purges avec. Viens me dire, tu vas faire les triplés cette fois-là. Ok? Je ne suis pas dans le tonine. Alors, c'était pour vous donner que ça fait beaucoup de choses. Dans l'attirance, prends ça. Tu piles ou tu tritures, tu mets dans un parfum, dans ton lait de toilette, dans ton savon. You go see, tu vas voir les miracles. Je ne parle pas de n'importe quoi. Ne me croyez pas. Dites que ce que j'ai dit là, on a juste entendu. On va aller tester, on va voir ce que ce monsieur dit est vrai. Mais on appelle ça la plante de Saint-Jean. Ok? À cela, je vous dis, s'il vous plaît, les dons du premier jeudi, le sacrifice du mouton du premier vendredi, de grâce, s'il vous plaît. Envoyez déjà les dons et les sacrifices. On va faire cela à Accra. Je suis au Cameroun et particulièrement comme ça à Douala. Et je m'en vais dès demain, très tôt, 5 heures, à l'aéroport pour m'envoler directement du côté du Ghana à Accra.
envoyez les dons. Quand vous n'envoyez pas les dons, en principe, vous ne recevez pas autant de grâce, autant d'ouverture. On ne peut pas recevoir sans donner. Il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Donner même si c'est un euro, même si c'est un dollar, même si c'est un franc, même si c'est un yuan, même si c'est un dirham. Ce qui compte, ce n'est pas la quantité. Ce qui compte, c'est l'élan de cœur, le geste que vous faites. Offrez aux soeurs, mes frères et soeurs, comme moi-même, je me bats pour vous. Sur ce, trop parler de maladie. Merci.